Alors pour cela, vous ferez fichier nouveau, vous mettrez une largeur de 800, une hauteur de 600, une résolution à 72 et vous ferez OK. On va mettre les couleurs de premier plan et de second plan. Donc le premier plan, vous cliquez sur votre couleur du premier plan. En teinte, vous irez mettre 18. En saturation, 188. Et pour la lume, mettrez 105. Vous cliquerez 4 fois, donc 1, 2, 3, 4 fois dessus pour enregistrer votre couleur personnalisée. Vous ferez OK. Nous allons mettre maintenant la couleur du second plan, donc à la place du blanc. Vous mettrez en teinte 238. En saturation 160 et en luminosité 79. Et vous cliquerez deux fois, une, deux, pour les enregistrer en couleur personnalisée. Et vous ferez OK. Vous prendrez l'outil de remplissage. Voilà, vous avez là donc la première couleur du premier plan qui apparaît. On va aller faire un petit filtre 8BF MIDI. Wavy Lab 1.1. Vous laissez en style linéaire et vous mettez une fréquence à 2. Et vous ferez OK. On va aller chercher le premier masque. Donc vous faites glisser sur votre espace. Vous mettez un mode ici en produit. On va aller chercher un second masque. Voilà. Et pareil, on va lui mettre un petit mode produit. On va aller prendre le premier tube avec la lune. Vous ferez un clic droit, paramétrage manuel. Donc pour le X, vous le positionnerez à 4 et Y à 13. En largeur, on va changer la largeur. Vous allez mettre 577 et vous ferez OK. On va aller chercher la bête, donc le lion. On le déplace ici. On va faire un petit clic droit, donc paramétrage manuel. Pour X, vous mettrez 307 et Y 39 et vous ferez OK. Vous voyez que donc sur ce tube il y a le signe du zodiaque du lion et on va le supprimer. Alors pour cela, vous prendrez l'outil gomme. Vous prendrez cette gomme là, vous allez vous mettre une taille pour l'instant de 10, une pression au minimum, vraiment tout sur votre gauche, et vous allez donc, vous voyez, supprimer donc le signe du zodiaque. Alors j'essaye, alors vous pouvez agrandir pour voir ce que vous faites, donc là. Pour l'instant je fais rapidement que ça aille avec l'autre fond. Alors là maintenant je prends vraiment en faisant envoyer des petits clics avec ma souris. Hop. Je vais être en raccord avec mon autre fond qui est derrière. Donc là, le grand blanc, on va l'enlever aussi. Voilà, vous gommez donc toute la partie avec ce signe. Hop. Moi, je fais rapidement, mais vous prenez votre temps. Hein, vous n'êtes pas à la course. Voilà. Hop. Alors maintenant, j'ai fait un petit peu rapidement. Hein. Je prends l'outil main droit qui est ici. Pareil, je vais prendre un rayon, mettons, de 10.
une pression à 1 avant la fin. Et vous allez, vous voyez, comme si vous alliez estomper ce que vous avez fait pour éviter qu'on voie les coups de la souris. Alors là, faites comme si vous avez été, vous faites de la peinture du pastel et vous faites estomper comme si c'était vos doigts. Vous estompez la zone. Alors par exemple là, ben, hop, je vais faire revenir cette couleur-là en priorité. Donc vous voyez, j'estompe. Hop, j'essaie de donner un peu du mouvement à mon ciel. Là, je veux que mon nuage donc se retrouve. Hop. Donc en principe là, le nuage devrait être ensemble avec l'autre. Alors vous pouvez prendre après, jouer sur le rayon de votre doigt pour donner votre effet. Alors là, le rayon n'est pas assez grand. Donc je prends le numéro 5. Et voyez, je donne la forme à mon nuage. On va prendre un peu de cette couleur pour la ramener aussi. Hop, vous voyez, je ramène cette couleur-là. Quand vous voyez que c'est suffisant pour vous, que vous avez reformé un petit peu les nuages, vous pouvez vous remettre. Alors là, je laisse comme ça. Vous pourrez reprendre l'outil sélection. Vous vous remettez un petit peu plus petit. Vous allez chercher votre personnage. Voilà, je mets mon personnage donc sur mon espace. Je la bouge pour l'instant avec ma souris. Et je vais la placer à 14. Donc 14 et à 27. Vous voyez donc les dimensions ici. Vous allez double-cliquer sur votre personnage. On va lui faire une petite ombre portée. Donc en delta x, vous mettrez à 4 et y à moins 1. Et vous ferez OK. On va faire calque, fusionner tous les calques. On va appliquer un petit filtre porcelaine, donc 0 porcelaine. Vous mettrez le blue à 0. Vous ferez OK. Vous mettrez votre signature avec l'outil texte. Vous choisissez votre police, les effets. Vous ferez OK. Vous placez votre signature où vous le souhaitez. Moi, je la mets ici. On fera calque, fusionner tous les calques. Un fichier enregistré sous en JPEG. Si vous souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos réalisations. Je serai ravi de les recevoir. Je vous mettrai donc le lien de mon Equablog ou de mon site internet pour que recevoir vos créas. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.